bienvenue à tous et à toutes pour ce TAB. Aujourd'hui, nous accueillons Daniel Ibanez, qui est l'organisateur de la rencontre annuelle des lanceurs d'alerte. Donc, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour et puis merci d'avoir invité pour une rencontre autour de l'alerte et des lanceurs d'alerte. Je précise l'alerte des lanceurs d'alerte parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que on lance l'alerte, alors qu'en fait, en français, on alerte. Donc, je dis ça rapidement parce qu'il y a une petite confusion où on pense que lancer l'alerte, ça serait mieux qu'alerter. Moi, j'ai organisé et fondé ces rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. On rassemble environ une centaine d'intervenants et d'auteurs autour des livres, autour de rencontres, autour de projections depuis 2015. On n'était pas super bien en 2015, parce que c'était le 13, 14 et 15 novembre. Et donc, le 13 au soir, on a été un petit peu, on a volé en éclats avec le Bataclan et la folie meurtrière. Et on a recommencé l'année suivante, etc. Et cette année, ça devait se tenir les 13, 14 et 15 novembre à nouveau. Et comme vous le savez, on a volé en éclats également. Voilà, donc on rassemble une centaine de personnes chaque année sur 20. Une vingtaine de rencontres, 20-25 rencontres, autour de différents thèmes, que ce soit l'environnement, que ce soit la santé publique, que ce soit la démocratie, que ce soit les délits financiers, que ce soit l'environnement, l'agroalimentaire. On essaye d'être un peu divers dans les approches. Parce que l'alerte, ça n'est pas que le domaine du salariat, ce sont des domaines extrêmement larges. Et donc, c'est un petit peu ce que je fais. Après, pour être entièrement transparent, j'interviens dans les formations transport à l'UNTPE à la demande d'Olivier Klein, notamment sur un dossier auquel je me suis intéressé, qui s'appelle le dossier Lyon-Turin, donc qui doit parler à beaucoup d'entre vous, puisque à l'UNTPE, on doit en parler de temps en temps. Je n'y suis pas favorable, pour être parfaitement transparent, mais ça n'est pas l'objet, quoique, finalement, il y a aussi dans ce dossier quelques alertes. Très bien, merci. Donc, du coup, pour parler vraiment de l'alerte, est-ce que vous pouvez nous donner une définition? Pour vous, qu'est-ce que les lanceurs d'alerte et quels sont leurs buts et que représente l'alerte? Alors, je vous proposerai plutôt, là, à tous les participants, vous êtes quand même très nombreux, quelle serait votre définition des lanceurs d'alerte ou de l'alerte? Il y a possibilité de faire passer des réactions. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez me donner vos avis, et puis j'essaye de préciser ou de commenter un petit peu ça, et puis ça vous donnera une définition à la fin, peut-être, non? Qu'en pensez-vous? On peut, oui. Donc, si certains ont une définition à donner dans le chat, si, ou même en activant le micro, ça doit être possible. Donc, on a une première réponse qui serait, par contre, votre micro est coupé. Allumé tout le temps, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais diffuser une information d'utilité publique. Ça, c'était la première définition. On aurait d'autres. Je dirais que ma définition se fait par comparaison avec des lanceurs d'alerte connus, oui, comme Edward Snowden, oui. D'autres propositions? Non, pas trop. Bon, j'interviens peut-être, histoire de pas qu'on ne reste pas dans le silence. En fait, les lanceurs d'alerte, ils alertent, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Ils alertent. Et finalement, le mot alerte contient à peu près la définition de cette démarche. Alerter, ça veut dire quoi? Ça veut dire tirer un signal d'alarme. En tous les cas, il y a des notions qui sont intrinsèques au mot alerte, qui sont urgence,
et gravité. D'accord ? Quand on alerte, c'est parce qu'il y a une situation dont la gravité nécessite qu'il y ait une réaction d'urgence. Si je fais le 15 pour appeler les pompiers, c'est parce qu'il y a un incendie, il y a un accident, j'alerte les pompiers pour qu'il y ait des secours. C'est ça le mot alerte. Et donc, c'est une mise en garde, mais en tous les cas, il y a deux notions intrinsèques au mot alerte, c'est la gravité et l'urgence dans la réaction. Si je suis sur un bateau et que je tire la fusée de détresse, c'est une alerte, il y a une situation de gravité et il y a une nécessité d'intervention urgente de la SNCM ou je ne sais qui. Par contre, si je déclenche la fusée de détresse et qu'il n'y a pas de situation de gravité nécessitant une réaction d'urgence, alors je peux être sanctionné. Et donc, finalement, on a là tous les paramètres qui nous cadrent par rapport à la définition d'un lanceur d'alerte et à la notion d'alerte. Alors, pourquoi est-ce qu'on a appelé ça des lanceurs d'alerte? C'est Francis Château-Renaud et son laboratoire qui a sorti cette notion et cette dénomination, simplement parce que le mot alerteur n'existe pas en français. Mais vous voyez, l'idée n'est pas de dire on crée un nouveau verbe qui serait lancer l'alerte, mais c'est on a par défaut, puisqu'il n'y avait pas de terme alerteur, créé un truc qui s'appelle lanceur d'alerte ou donneur d'alerte ou délivreur d'alerte. Enfin, vous voyez, on peut en donner beaucoup de mots. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, finalement, on a à peu près approché la notion d'alerte. Donc, la notion d'alerte, c'est une information. Hein, quand je tire cette fusée de détresse, en fait, je n'ai pas de moyens radio, je n'ai pas de moyens GPS ou de moyens de communication. Donc, je tire une fusée, mais cette fusée, en fait, elle constitue une information qui s'interprète comme une situation de gravité appelant des secours. Et donc, lancer l'alerte, c'est effectivement transmettre une information dont la gravité nécessite une réponse urgente de la société. Et donc, c'est celui qui va alerter, va devenir, dans un terme générique, quand on parle de l'intérêt général, un lanceur d'alerte. Alors effectivement, Edward Snowden, on peut considérer que c'est un lanceur d'alerte, mais vous allez voir que cette notion est quand même subjective, puisque par exemple au Pentagone, on ne trouve pas du tout que c'est un lanceur d'alerte. On trouve que c'est un traître à la nation, parce que subjectivement, on considère qu'il a divulgué les informations sur la surveillance de masse qui étaient réalisées, les outils de surveillance de masse qui étaient réalisés et développés par la NSA, qui se trouvent implantés tant aux États-Unis qu'en Angleterre, etc., etc. Et donc, vous voyez que c'est une notion subjective. De la même manière, si vous considérez Irène Frachon, par exemple, qui a transmis l'information de la dangerosité de l'isoméride et de différents composants du médiator, eh bien, le laboratoire Servier, qui produisait ce médicament, va trouver qu'elle n'est pas une lanceuse d'alerte et que d'ailleurs, elle n'est qu'une pneumologue de province. Vous voyez ? Et pourtant, le médicament est maintenant interdit, etc., etc. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une notion subjective, la notion de lanceur d'alerte, mais à l'inverse, ce que l'on sait par contre, c'est que, on parle souvent de risque pour les lanceurs d'alerte, hein, les lanceurs d'alerte prennent des risques, dit-on, ce qui est important pour vous dans votre future carrière d'ailleurs de fonctionnaire ou de responsable et de cadre dirigeant probablement, c'est que moi, je considère que, en fait, la notion de risque ne devrait pas être attachée à l'alerte. Hein, si vous voyez quelqu'un qui vient de tomber dans le Rhône ou dans la Saône, puisque vous êtes proche de
de Lyon, que vous déclenchez l'alerte, il n'est pas normal que vous preniez un risque. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous avez appelé les pompiers ou les policiers qui se trouvent à proximité parce que vous ne savez pas nager que vous devez vous retrouver en garde à vue pour avoir appelé les gens. Vous voyez, Donc, le risque, il est lié à la situation pour laquelle vous allez transmettre une information, mais il ne doit pas être lié à la personne qui alerte. Et en fait, on peut faire une démonstration à contrario, et j'en terminerai sur cette première partie là-dessus, c'est la suivante. C'est que je parlais d'Irène Frachon et de l'affaire du Mediator. Où est le risque ? Le risque, il n'est pas qu'il y ait une lanceuse d'alerte, Irène Frachon, qui dise « Attention, le Mediator est un médicament poison qui empoisonne les gens, qui fait que ça déclenche des valvulopathies. » Ce n'est pas ça, le risque. Le risque, c'est si elle se tait, parce qu'on continue à avoir des gens qui vont s'empoisonner et qui vont développer des valvulopathies. Le risque, par exemple, pour quelque chose qui peut vous toucher d'un petit peu plus près, dans une entreprise comme Lactalis, qui n'a pas arrêté son usine alors que depuis 3 ans, il y avait de la salmonelle qui se promenait dans le lait, pour bébé, eh bien, le risque, il a été pour les bébés parce qu'il n'y a pas eu de lanceur d'alerte. Et en fait, on voit bien, avec ces deux petits exemples, on pourrait faire pareil pour Lubrizol, disant, il n'y a personne chez Lubrizol qui a dit à Rouen, attention, on a effectivement des produits inflammables dans l'usine Lubrizol, mais il y en a autant chez le logisticien qui est juste de l'autre côté de la barrière, qui n'est pas déclaré établissement classé et à risque Céveso. Et donc, vous voyez que le risque existe lorsqu'il n'y a pas d'alerte et non pas lorsqu'il y a une alerte. Voilà. Je crois avoir fait un petit peu le tour. Alors, un lanceur d'alerte, si je dois donner une définition, qui est la mienne, qui est subjective, hein, j'en ai bien conscience, c'est une personne qui, obéissant à sa conscience de l'intérêt général, je dis ça parce que je crois que dans la présentation, vous avez dit que vous avez marqué que j'avais fait une citation comme quoi les lanceurs d'alerte ne sont pas des désobéissants, mais au contraire, sont très obéissants. Ils sont obéissants à cette notion d'intérêt général, et ils transmettent une information dont la gravité pour l'intérêt général nécessite une réponse urgente de la société. Voilà ma définition. Ok, super, merci. Et justement, donc, comme vous le disiez, il y a un risque là où il n'y a pas de lanceur d'alerte, mais justement pour limiter le risque que prennent les lanceurs d'alerte en lançant l'alerte, est-ce qu'il y a des... Quelles sont les lois finalement et les droits que les lanceurs d'alerte ont? Alors, votre question est intéressante parce que, vous voyez, vous venez de dire quels sont les droits que les lanceurs d'alerte ont. Et ça, en fait, là est toute la question parce que quand on parle de protection des lanceurs d'alerte, effectivement, on parle de droit de lancer l'alerte. Je vois le chat en même temps, donc je vais y répondre tout à l'heure. En fait, ma conception, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lorsqu'il n'y a pas d'alerte qu'il y a du risque. Exemple Lactalis, exemple Lubrizol, exemple les problèmes environnementaux de rejet, les boues rouges par exemple dans la Méditerranée, exemple l'optimisation fiscale à outrance avec le Luxembourg, exemple la fraude fiscale massive, etc., etc. Et lorsqu'il n'y a pas de lanceur d'alerte, eh bien, il y a un risque pour la société. Et donc, ma vision, c'est que ça n'est pas un droit d'alerte, c'est un devoir d'alerte. Alors, sur ce sujet, il y a d'ailleurs quelques textes. Par exemple, la Charte de l'environnement. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui doivent s'intéresser à l'environnement. C'est en tout cas, vaut mieux parce que vu le futur qu'on vous laisse... Il faut quand même en prendre un petit peu acte, et j'en suis bien désolé. Mais la Charte de l'environnement dit « Chaque personne doit prendre part
à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Vous voyez, c'est « doit prendre part à la préservation ». Donc, vous avez cette notion de devoir qui est inscrite dans le bloc constitutionnel. Hein. Vous savez que les trois textes du bloc constitutionnel en France sont premièrement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 17 articles. Ensuite de ça, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Et en troisième lieu, la Charte de l'environnement de 2004. Et donc, vous voyez que, par exemple, par rapport à l'environnement, il y a un devoir de prendre part à la préservation, donc d'alerter dès qu'il y a une menace grave sur l'environnement. Vous voyez ? En relation à ce devoir. Mais il y a d'autres devoirs. Par exemple, vous avez le devoir de porter assistance à une personne en péril. Vous connaissez cette notion de non-assistance à personne en danger. Eh bien, vous voyez, il y a un devoir, et c'est comme ça que le dit d'ailleurs le texte et la jurisprudence, d'apporter assistance. Et si vous n'apportez pas assistance, alors que vous aviez les moyens de le faire, ou si vous n'avez pas déclenché les secours alors que vous aviez les moyens de le faire, vous n'avez donc pas assumé le devoir que vous aviez, et donc vous pouvez être sanctionné pour ça. Il y a aussi les devoirs et des obligations de dénonciation dans les cas de maltraitance pour les enfants, pour les personnes, qui va tellement loin ce devoir d'alerte que les professions médicales qui sont tenues au secret médical peuvent être libérées du secret médical, justement dans le cas de ces maltraitances. C'est prévu, là encore, par le code pénal. Donc, vous voyez que cette notion de devoir est plus appropriée, en tous les cas, à mon sens, que la notion de droit d'alerte. Et donc, ça, c'est important. En tous les cas, je pense qu'il faut fonctionner non pas sur le droit d'alerte comme les gens ont quand même le droit de dire ce qui ne va pas, mais plutôt, vous voyez, sur cette notion de devoir. Et il me semble, en tous les cas, je participe un petit peu au processus de transposition d'une directive européenne qui a été prise fin 2019 sur justement la protection des personnes qui dénoncent des infractions au droit de l'Union européenne, qu'on appelle plus largement protection des lanceurs d'alerte. Je propose que, justement, plutôt que parler de droit d'alerte, on dise la protection est automatique parce qu'il y a un devoir d'alerte. Ce qui fait d'ailleurs que la personne qui est mise en cause par l'alerte, qu'elle soit physique ou qu'elle se soit une personne morale, ou la situation mise en cause, finalement, ce n'est pas la personne qui va alerter, qui va devoir faire la démonstration du bien fondé, de son désintérêt dans l'affaire, de sa bonne foi, etc., etc. Mais ça va être la personne qui, comme le laboratoire Servier ou comme l'entreprise Lubrizol, s'il y avait eu une alerte, ou comme le Luxembourg, va devoir faire la preuve que la situation qui a été révélée, l'information qui a été transmise, ne revêtait pas un caractère de gravité ni d'urgence qui nécessitait qu'on la publie ou dans la presse ou par un autre moyen. Donc voilà, je pense que cette protection est liée en droit, mais en droit, vous voyez ce que je veux dire, en matière de justice, est plutôt lié au devoir citoyen, hein, plutôt que à un droit. Et je dis ça parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, souvent on entend dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faudrait aussi parler des devoirs. Bon, si vous avez déjà entendu ça quelque part, et alors je vous suggère comme réponse de répondre aux personnes qui vous disent « oui, enfin, il faudrait aussi parler des devoirs », de leur dire « eh bien, lisez, même pas le premier article, juste le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, il y a écrit en toutes lettres que ce texte est fait pour que chacun ait conscience de ses droits et de ses devoirs. » Donc, bien évidemment, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à tous les articles, énonce un droit.
Mais à chaque fois, il énonce une responsabilité. Et donc, finalement, le devoir d'alerte est l'exercice de la citoyenneté. En tous les cas, c'est ma vision de la citoyenneté, là encore, je pense qu'on pourrait en discuter, mais pour moi, la citoyenneté, ça n'est pas juste le fait d'exercer ses droits. C'est le fait d'exercer ses droits en responsabilité. Je vous donne un exemple et je m'arrête là-dessus. Vous connaissez tous la définition du mot « liberté ». Pour ceux qui ne la connaissent pas, précisément en tous les cas, ça n'est pas la peine d'aller la chercher dans le Larousse. En France, elle n'existe que dans un texte, à mon sens, à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce que c'est ça qui fonde la République. Et la définition du mot « liberté » est donnée de la sorte à l'article 4. C'est « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Et vous voyez bien que ce que je vous dis sur le droit et le devoir est parfaitement exprimé en une très petite phrase. Vraiment, c'est, les gens qui ont fait cette déclaration des droits de l'homme sont vraiment des génies et c'est vraiment un texte lumineux. Je vous invite à vraiment le regarder, surtout pour ceux qui vont intégrer la fonction publique. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. La liberté consiste à pouvoir faire tout, c'est le droit. Ce qui ne nuit pas à autrui, c'est le devoir. La responsabilité. Et vous voyez que la citoyenneté, c'est à chaque fois la combinaison du droit essentiel avec la responsabilité dans l'exercice de ce droit. Voilà, j'ai été un peu long, excusez-moi. Aussi, merci. N'hésitez pas à me couper la parole, hein, surtout. Mais justement, comme vous le disiez tout à l'heure, par exemple, Edward Snowden, il n'est pas vu du tout comme un lanceur d'alerte au Pentagone. Et donc pour lui, c'était finalement un devoir de dénoncer, d'alerter. Comment justement gérer le devoir de réserve et le devoir de lanceur d'alerte, de lancer l'alerte même? Alors, je réponds juste à une partie du chat. Et si on vient de dire, c'est justement la notion de nuit à autrui qui pose question, comme ça on reste dans la suite. C'est un bon lien, oui. Alors, effectivement, vous avez raison parce que ça pose une question. Mais c'est vraiment intéressant. Je donne juste un petit exemple. Dans une copropriété, vous avez quelqu'un qui vient avec un chien. Son chien aboie quand il n'est pas là. Si vous allez sur le site de particulier à particulier, on va vous dire si votre voisin a un chien qui aboie, c'est un trouble de voisinage. Avant d'appeler la police, allez voir votre voisin et dites-lui quand vous n'êtes pas là, par nature, vous ne savez pas. Mais votre chien aboie et c'est vraiment gênant pour les voisins. Et donc, ça, c'est à mon avis une définition qui est fausse du mot liberté. Parce que pour moi, justement, la liberté et ne nuit pas à autrui, c'est la personne qui a un chien doit être responsable et doit savoir que quand elle s'absente, son chien peut aboyer. Et donc, même si elle ne l'entend pas aboyer, elle peut supposer que sa liberté d'avoir un chien fait qu'elle peut aussi aller voir ses voisins et non pas attendre qu'ils viennent pour leur dire, au fait, j'ai un chien, est-ce qu'il ne vous nuit pas lorsque je suis absent? Et vous voyez bien qu'il y a en fait impossibilité dans une république comme celle de la France d'être individualiste. En fait, la liberté n'est pas un droit individualiste, c'est un droit social. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une relation aux autres en permanence et non pas comme, comme un consumérisme de droit qui pourrait dire j'utilise ce droit. La deuxième chose, donc je reprécise, on est bien dans une notion qui nous permet de faire société. La deuxième chose, c'est qu'en 1789, le 26 août 1789, quand les révolutionnaires votent ce texte merveilleux qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quand ils disent « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », eh bien, ils pensent aux autres membres de la société. D'ailleurs, ils le disent dans le deuxième terme de l'article 4, « les droits naturels de chaque citoyen n'ont de borne que ceux qui garantissent les mêmes droits aux autres membres de la société. » Vous voyez,
la réciprocité des droits et l'égalité des droits dans cette formule-là. Depuis 2004, ma vision, c'est que quand on dit « ne nuit pas à autrui », on doit aussi entendre « ne nuit pas à l'environnement ». Pour une raison assez simple, c'est que la charte de l'environnement nous dit que la survie des hommes, de l'espèce humaine, est indissociable de son environnement. Et donc, si l'on nuit à l'environnement, on nuit également à l'espèce humaine, à mon sens. Et donc, je pense qu'il faut élargir cette notion de nuisance à autrui. J'en profite, je reviens après, tout de suite après, parce que là, il y a une question sur le fait, est-ce que les lanceurs d'alerte ne nuisent pas aux personnes qu'ils dénoncent? La question, c'est où est la responsabilité par rapport à la société? C'est-à-dire qu'effectivement, la personne morale des laboratoires Servier peut considérer que Irène Frachon lui a nui. Et en fait, Irène Frachon, l'arbitrage ne se fait pas sur la personne, se fait sur l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de la collectivité, de l'ensemble des membres de la collectivité. Et donc, est-ce que l'intérêt particulier du laboratoire Servier, qui est de gagner de l'argent avec un poison, c'est probablement réduire ses revenus. Mais la question de la nuisance, elle s'apprécie par rapport à l'intérêt général. Et par rapport à l'intérêt général, la loi dit qu'on n'a pas le droit d'empoisonner les gens et qu'on n'a pas en plus le droit de raconter des mensonges dans les autorisations de mise sur le marché, de corrompre les personnes qui donnent les autorisations de mise sur le marché, etc. Donc, tout ça, voilà, pour vous dire que cette notion de droit et de devoir, c'est la manière dont je l'apprécie. Je réponds à votre question, excusez-moi Lily, j'ai été un petit peu long sur cette question. Oui, les fonctionnaires ont un devoir. Ils en ont plusieurs d'ailleurs. Alors, le premier devoir, il est défini par l'article 12 finalement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La garantie des droits de l'homme nécessite une force publique pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Force publique, il faut l'entendre, pas uniquement comme police, mais finalement c'est intéressant hein, dans la période actuelle de savoir que la police, finalement, c'est la force publique, et que son rôle n'est pas la répression, mais la garantie des droits de l'homme. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir des répressions pour garantir les droits de l'homme, on est bien d'accord. Mais, vous voyez, recadrer ça, la fonction première des services de l'État, pour être plus large, qui est la force publique, hein, parce que les services de l'État peuvent dresser procès-verbal, peuvent saisir le parquet, etc. Donc, la mission première des services de l'État, de la fonction publique, c'est de garantir les droits de l'homme. Et donc, votre fonction, si vous rentrez dans la fonction publique, si vous y êtes déjà, est de garantir les droits de l'homme. Vous connaissez les quatre droits naturels et imprescriptibles de l'homme, la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. Article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc la sûreté, c'est la santé publique, etc. etc. Vous voyez, on est sur des appréciations larges. La liberté, c'est aussi la liberté d'expression. La sûreté, bah, c'est de faire en sorte que quand on valide un PPRT, un plan de prévention des risques technologiques, on fasse attention à ce que si Lubrizol brûle, ça n'empoisonne pas tout le monde. Vous voyez, par exemple, le service de l'État a là une vraie responsabilité. Et donc, vous allez vous trouver confronté à un deuxième devoir. Le premier devoir, c'est de garantir les droits de l'homme, donc garantir la santé publique, garantir la sûreté de la population, garantir sa liberté, hein, si vous êtes policier, etc. Et vous avez aussi un devoir de réserve par rapport à l'administration qui vous emploie, par rapport à l'État. Et ce devoir de réserve, il est tout à fait normal qu'il existe pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où on vit dans une république avec une démocratie, il est nécessaire que les services de l'État ne soient pas des forces de résistance à l'alternance politique. Et donc, il y a une nécessité de continuité des services de l'État, mais de continuité dans l'intérêt public, dans la mission de service public
qui est cette garantie des droits de l'homme. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a un devoir de réserve. Mais ce devoir de réserve, il doit tenir compte de la mission première, la garantie des droits de l'homme. C'est-à-dire que si vous êtes dans une administration qui, de santé publique, par exemple, prenons une affaire ancienne, et que vous savez que le sang est contaminé et qu'on va perfuser les gens avec ce sang, est-ce que votre devoir, c'est le devoir de réserve et de dire « je me tais » ou est-ce que votre devoir, c'est celui de garantir la santé publique des personnes et éviter qu'ils soient infectés avec le VIH et qu'ils attrapent le sida. Et donc, en fait, je vous renvoie pour cette appréciation à un texte qui est vraiment extrêmement lumineux lui aussi. C'est la jurisprudence de 2008 de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la jurisprudence Gouya. Alors là, je vais essayer de faire une opération technologique. Je partage mon écran, participant à la fois peut partager. Alors, je ne sais pas si plusieurs participants. Je ne sais même pas ce qu'il faut que je fasse. Là. Tiens. Vous pouvez m'aider là. J'ai plusieurs participants. Oui, participants. Et normalement, oui, si vous cliquez sur partager l'écran, normalement, vous pouvez. Je clique sur, partager l'écran. D'accord. Alors, je vais prendre. Voilà, l'affaire Gouya-Moldova. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, sans doute, peut-être. Oui, c'est bon. Vous voyez? Oui, donc vous voyez que dans cet arrêt, si vous voulez, enfin, je vous enverrai le lien pour le télécharger. En fait, la question était la suivante. Vous avez le porte-parole du procureur de la République qui va dire, qui va transmettre à la presse une information comme quoi le président de la Chambre, qui est un peu l'équivalent de notre Premier ministre, est intervenu auprès du procureur de la République pour enterrer une affaire de torture par des policiers dans un commissariat. Et donc, on lui dit, monsieur, vous avez un devoir de réserve, de fidélité, etc. Vous êtes viré. Et donc, la question que va poser la personne après avoir perdu tous ses procès en Moldavie, ça va être de dire à la Cour européenne des droits de l'homme, moi j'ai défendu finalement les droits de l'homme. Et que va dire la Cour européenne des droits de l'homme, vous allez le voir à l'étape suivante. Voilà. La Cour rappelle que l'article 10, c'est l'équivalent de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, s'applique également à la sphère professionnelle et que les fonctionnaires, tels que M. Gouya, jouissent du droit à la liberté d'expression. Cela étant, elle n'oublie pas que les salariés ont un devoir de loyauté, devoir de réserve et devoir de discrétion. Donc ça, c'est quelque chose de parfaitement établi. Et donc, ça vaut effectivement vraiment pour les fonctionnaires, dès lors que la nature même de la fonction publique exige de ses membres une obligation de loyauté et de réserve. Mais ce que l'on dit, c'est que la mission des fonctionnaires étant d'aider le gouvernement à s'acquitter de ses fonctions, donc la garantie des droits de l'homme et la préservation des droits de l'homme, eh bien, le public est en droit d'attendre que les fonctionnaires apportent cette aide et n'oppose pas d'obstacle pour cette garantie. Donc voilà, la fidélité, l'alternance démocratique doit être absolument préservée. Et là, on va vous dire, ben oui, mais quand le pouvoir politique couvre des actes de torture qui sont interdits, eh bien, la personne en question n'a plus d'autre moyen que de transmettre l'information, et on vous dira qu'il était absolument nécessaire que cette information soit mise sous le contrôle de la population et sous le contrôle de la presse dans un régime démocratique. Voilà, tout ça pour vous dire que je ne sais plus comment on repasse mon écran, mais bon, c'est pas grave, vous devez me voir, je sais plus, on voit le devoir de réserve. Donc, le devoir de réserve est effectivement important, il est essentiel et vous devez le respecter. Par contre, vous devez aussi respecter le principe même de la République, à savoir la garantie des droits de l'homme, à savoir l'intérêt général, l'intérêt public, qui va se définir finalement par les quatre textes fondamentaux, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, charte de l'environnement et charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et donc là, vous avez les principes et les valeurs à la fois constitutionnelles et européennes, et c'est ça qui, d'une certaine manière, va définir l'intérêt général et le cadre de votre action. Si vous voyez des poches de sang contaminées, à mon sens, votre devoir de réserve ne peut pas être, ne peut pas s'opposer ou contrarier votre obligation d'alerte. D'ailleurs, c'est assez simple. Quand on empoisonne les gens, on est bien d'accord que c'est un délit ou un crime, en fonction de la qualification retenue. Et il faut savoir que les fonctionnaires ont un devoir d'alerte. Ça s'appelle l'article 40 du Code de procédure pénale. Et cet article 40 fait que lorsque vous êtes témoin d'un délit ou d'un crime dans l'exercice de vos fonctions, vous devez en informer sans délai le procureur de la République. Très bien. Et bien merci beaucoup pour votre réponse. Là, on va passer donc aux phases de questions pour tous les participants. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou allumer votre micro. Alors, je ne sais pas comment je repasse réunion. Hein. Comment je repasse un écran partagé, vous savez ça? Normalement, au-dessus, vous devez avoir un arrêter le partage. Ah, ça y est, ouais, là, j'ai un. Ah, ben non, voilà. Hop, hop, non, ça, c'était pas ça. Arrêtez, vous êtes en train de partager votre écran. Alors, il faut peut-être que l'ancrer en bord. Excusez-moi. Ah oui, je fais arrêter. Voilà. Ah, voilà, c'est excusez-moi. Bon. Voilà, comme ça, je vous vois tous. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'en ai vu passer, je suis désolé, mais j'étais en train de parler, je les ai vus passer, mais je n'ai pas bien fait attention, je vais essayer de les regarder dans la discussion, c'est ça qu'il faut que je regarde. Voilà. L'institution policière, dans son fonctionnement, protège les policiers violents, par exemple, un lanceur d'alerte au sein de la police sera considéré comme ennemi de l'institution alors qu'il agit dans l'intérêt public. Ben, c'est assez vrai, en fait, je vais animer une rencontre, si les petits cochons ne mangent pas, le 17 décembre, à l'espace culturel André Malraux de Chambéry, avec un monsieur qui s'appelle Alexandre Langlois, qui effectivement était policier et qui est en train de demander sa radiation des cadres et la fin de son contrat, parce qu'il considère qu'il ne peut pas assurer la fonction pour laquelle il est rentré dans la police. Il a écrit une lettre au ministère de l'Intérieur pour dire bah, « en fait, voilà, je demande à sortir de la police pour les mêmes raisons que celles qui m'ont conduite à rentrer dans la police, parce que je ne peux pas faire mon travail ». Donc là, il y a effectivement un problème et il y a sans doute, une nécessité de plus de lanceurs d'alerte. Et on voit bien que c'est là où il n'y a pas de lanceurs d'alerte que ça pose des problèmes par rapport au principe. Alors, ok, merci, bien en phase avec ce que nous raconte le conférencier, parce que c'est gentil, Bernard. C'est très gentil. D'ailleurs, il y a une excellente vidéo sur le sujet sur Finkerview. Oui, là, ça, c'est sur la police. Je crois que c'est hier que c'est sorti chez Finkerview. C'est-à-dire Marine. Alors, attendez, je ne vais peut-être pas regarder au-dessus. pardon. Lorsque l'oppression vient directement de l'État et des services publics, on est un peu embêté du coup. Ben, oui, oui, mais... Justement, en fait, là encore, la Déclaration des droits de l'homme est intéressante dans son préambule parce qu'elle dit, si on fait cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 17 articles, c'est justement pour que le pouvoir soit sous le contrôle de la population avec des principes simples et clairs et qui puissent être appréhendés par chacun des citoyens. Donc, vous voyez, ce contrôle citoyen est intégré, d'ailleurs, il y a un article qu'il faut que vous connaissiez absolument, de manière à ce que vous ne soyez pas ennuyé le jour où, comme fonctionnaire de la République, on vous demandera des comptes. C'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cet article 15, il est très, très court. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et c'est bien ça, hein ? La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Ce qui fait qu'on a le droit de filmer les policiers. Pour une raison très simple, puisque comme leur mission, c'est de la garantie des droits de l'homme, article 12, ben, ils sont fiers de le faire. Donc, ils sont fiers d'être filmés en train de garantir les droits de l'homme. Vous voyez ? Et c'est pas mal, finalement, ce texte. C'est assez utilisable. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là.
Alors, en lançant une alerte, le lanceur d'alerte ne nuit-il pas à la personne qui pratique et ce qui est dénoncé? Alors, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure. J'espère que Vous avez déjà répondu à cette question pendant votre la première partie. Vous l'aviez déjà lu. Alors, le manque de protection n'est-il pas fait exprès pour limiter les dénonciations? Alors, vous voyez, moi, je n'appelle pas ça dénonciation ni délation. Il y a une grande discussion sur le sujet par rapport aux dénonciations et à la délation. Et effectivement, à chaque fois qu'une alerte est portée, diffusée, on a tendance à dire « Ah là là, les délateurs, s'ils avaient existé en 1942, ils auraient dénoncé les Juifs. Hein, » je vous la fais courte, mais c'est quand même ce qui se dit. Et en fait, par rapport à 1942, qui est le lanceur d'alerte? Celui qui dénonce les Juifs ou De Gaulle à Londres? Ah oui, c'est intéressant ça, finalement. Vous voyez, et parce qu'une fois, on m'a dit ça, ouais, les Juifs, tout ça, vous auriez dénoncé les Juifs. Je dis, ben, De Gaulle, est-ce que ce n'était pas un lanceur d'alerte, finalement, le 18 juin? Alors là, le gars, il s'est dit, merde, ben, oui, tiens, c'est vrai que là, ça me pose question. Bon, vous voyez comme quoi. Alors oui, c'est sûr que De Gaulle n'a pas vraiment favoriser le régime de Vichy. Alors, on peut le dire. Maintenant, il y a prescription, mais c'est ça, on en est sûr. Et donc, voilà, les gens de Vichy considéraient qu'il était nuisible. D'ailleurs, ils l'ont déchu de sa nationalité française. Donc, vous voyez, comme quoi. Donc, effectivement, la question, c'est une question d'arbitrage entre son intérêt particulier et l'intérêt collectif. Moi, je prétends que l'intérêt général ne peut pas nier l'intérêt particulier de chacun, c'est-à-dire la liberté consiste à pouvoir faire tout, mais que cette liberté individuelle doit toujours s'inscrire dans un cadre de société et donc de prise en compte des autres membres de la société, parce que effectivement, si je ne considère que le premier verbe, la liberté consiste à pouvoir faire tout, eh bien, je jette, par exemple, mes pots de banane chez mon voisin. Sauf si je prends la deuxième partie, ce qui ne nuit pas à autrui. Auquel cas, je garde mes pots de banane chez moi. Vous voyez? Et donc, c'est finalement, bien sûr que les gens qui ont un intérêt particulier et qui n'ont pas pris en compte l'intérêt collectif, je ne paye pas mes impôts parce que je n'ai pas envie d'en payer, ça me coûte trop cher et je préfère garder l'argent pour moi. Mais je veux bien quand même rouler sur les routes, profiter de la SNCF et de ses 54 milliards de dettes, etc. etc. On peut considérer qu'on lui nuit quand le mec, on dit bah, il ne paye pas ses impôts, celui-là. Et donc, voilà. Alors, je dois vous quitter, j'ai un CVU à 14h. Bon, bah, écoutez, merci. Et je ne sais pas, je dure un peu trop longtemps, là, c'est ça? Non, c'est bon, c'est jusqu'à 14h15. Bah, écoutez, voilà, je crois que j'ai un petit peu répondu à des questions, si vous en avez d'autres. Oui, moi j'en ai une. Justement, c'est en rapport avec ce que j'ai dit avant, c'est justement, des fois je me demande si le manque de protection n'est pas fait exprès, car sur certains sujets épineux, il est plus facile de discréditer la personne, par exemple, en disant que c'est un complotiste, etc. Alors que si les lanceurs d'alerte apportent des preuves, après, c'est plus difficile de discréditer la personne. Alors, vous avez parfaitement raison, Anthony. C'est que la première des choses que l'on constate, en fait, que ce soit Irène Frachon, que ce soit les gens qui ont dénoncé les fraudes fiscales de l'UBS et le blanchiment d'argent à la Montée-Basquille, ou que ce soit Antoine Deltour, etc., la première chose qui est faite, c'est de tenter, dans une communication de crise, de discréditer celui qui va alerter ou celle qui va alerter. Voilà, par exemple, Irène Frachon, je vous invite à regarder le film, si vous ne l'avez pas vu, La fille de Brest, parce qu'il est assez fidèle sur beaucoup de choses, c'est ce que m'a dit Irène en tous les cas. Et donc, il y a une scène extraordinaire où vous avez là tous les membres du Labo Servier qui sont là, l'agence du médicament, et qui dit « Tiens, voilà la Dream Team de Brest. » Vous voyez, le discrédit, la petite pneumologue de Brest et de sa province.
Et donc, l'idée, c'est d'abord de discréditer, hein, communiquer pour discréditer, il n'y connaît rien, c'est un complotiste, etc. Tout ça dans une notion supposée de protection, mais de protection d'un intérêt particulier. Et pour peut-être démontrer qu'effectivement, on a un enchaînement assez logique sur la herche, j'ai inventé une petite fiction qui, à mon avis, illustre assez bien, en tous les cas, les lanceurs d'alerte me disent que ça illustre bien. On est en période de fête de fin d'année, je ne sais pas comment vont être les fêtes, mais on est en période de fin d'année, alors, et il y a des jeux pour les enfants. Alors, imaginons une petite scénette, vous avez une entreprise qui importe des jeux, et alors, il faut savoir que pour importer des jeux de Chine, il faut s'y prendre 6 mois à l'avance avant la date de livraison. Donc, vous voyez, si vous êtes au mois d'octobre pour la livraison, il faut que vous ayez passé vos commandes grossièrement au mois de mars pour les avoir au mois d'octobre, pour pouvoir les mettre en rayon mi-octobre, parce que c'est là qu'on commence à provisionner les magasins, etc. Et le gars arrive au mois d'octobre, reçoit sa livraison de jouets, commence à les mettre en rayon, et là, ou un salarié ou un client, peu importe, va s'apercevoir que le jeu est dangereux. Bon, on peut tout imaginer, le plastique est un poison, par exemple, avec des perturbateurs endocriniens ou je ne sais quoi, y a des émanations, ou bien c'est un jeu où les gamins peuvent se couper un doigt ou une oreille, enfin j'en sais rien, ou s'électrocuter, enfin peu importe. Et donc là, où le salarié ou le premier client dit « c'est dangereux ce jeu-là », et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tout naturellement, il va alerter celui qui le vend, c'est-à-dire ou le supermarché qui va retourner voir le fournisseur ou le fournisseur. Imaginons qu'on aille voir le fournisseur, vous avez deux solutions. Ou le fournisseur, alors, il faut savoir que là, comme il lui fallait 6 mois pour importer, s'il fait 40% de son chiffre sur la fin de l'année, c'est mort. Complètement mort. Et donc, le gars se dit, aïe. Problème, et il a deux solutions. Soit il dit, je ne peux pas laisser blesser les enfants, empoisonner les enfants. Et il dit, j'ai un risque de faire faillite, mais je ne ferai pas en sorte que les enfants soient malades ou blessés. Et auquel cas, vous n'avez pas de lanceur d'alerte. L'alternative, c'est qu'ils disent, écoutez, vous êtes gentil, si vous allez diffuser ça, ce qui est faux, je vous préviens, je vous envoie mes avocats. D'ailleurs, vous n'êtes pas un spécialiste et vous allez perdre. Et auquel cas, là, vous vous retrouvez avec à nouveau une alternative à deux branches, à savoir, soit vous dites, bon, je ne vais pas aller me prendre un procès sur le dos, je vais jeter le jeu à la poubelle ou je me tais parce que sinon je perds mon emploi, ou vous dites, je ne peux pas laisser faire en sorte que les enfants soient blessés, et auquel cas, là, vous avez un lanceur d'alerte. Et vous voyez bien que cette petite fiction, qui est vraiment inventé, montre bien un petit peu d'où sortent les choses et que, effectivement, vous allez avoir à chaque fois le discrédit qui sera jeté sur la personne, que ce soit d'ailleurs dans le cadre de la fonction publique ou que ce soit dans le cadre de l'entreprise ou que ce soit plus généralement dans le cadre politique, dans une mairie où vous dites non, les choses ne vont pas bien, on ne va pas payer 1 million d'euros à un rond-point, ou vous voyez, je ne sais quoi. Donc, effectivement, vous êtes dans une société où ceux qui ont des intérêts essayent de les défendre, ceux qui défendent leur vision de l'intérêt général essayent de le défendre, et il peut y avoir une confrontation. L'idée, c'est qu'effectivement, quand on ne se confronte pas à la mauvaise foi, on se retrouve avec des enfants à l'hôpital parce qu'ils ont ingurgité du lait à la salmonelle et que tout le monde savait qu'il y avait de la salmonelle. Et donc, c'est un petit peu chacun qui va jauger ça. Voilà un petit peu ma réponse. Alors, je vois qu'il y a plein de questions sur le chat. Deux. Alors, il y en a une. Autre incohérence dans le système, une entreprise, j'imagine, dans le public, il faut d'abord passer par son employeur pour lancer l'alerte. Ça, je vais y revenir tout de suite, d'accord? Ça semble être un frein évident à la diffusion, etc., etc., j'ai compris.
Alors, je remonte juste au-dessus parce que j'ai vu qu'il y en avait une deuxième. Avez-vous des histoires ou des anecdotes particulières sur des personnes que vous avez rencontrées pendant vos rencontres, sur des alertes auxquelles on ne pense pas au premier abord, par exemple? Alors, d'accord. Alors, par rapport au fait qu'il faille d'abord prévenir son employeur ou le référent alerte, hein, puisqu'il y a une obligation d'avoir dans les entreprises de plus de 50 salariés un référent d'alerte, ben effectivement, moi, je considère que c'est un problème et c'est pour ça que je travaille à une protection automatique ou en tous les cas la capacité pour chaque lanceur d'alerte de pouvoir se prévaloir avant toute chose d'un devoir d'alerte sans avoir à démontrer autre chose que l'alerte était dans le cadre d'un devoir. Parce que je considère qu'effectivement, quand vous dites aux gens, bah, vous devez d'abord informer votre chef, ce que font d'ailleurs en général hein, les gens, sauf dans de très rares cas particuliers. Snowden n'a pas été voir le chef du Pentagone pour lui dire, écoutez, la NSA, elle est en train de violer tous les textes de la démocratie américaine, et je vais le dire. Vous voyez, parce que, de toute façon, il était dans un système institué pour justement surveiller tout ça. Donc, il n'avait pas de capacité d'alerte interne. Mais vous voyez, dans ma petite comptine sur les jeux, ma petite fiction sur les jeux, en fait, les gens, assez naturellement, vont aller voir leur hiérarchie et dire, mais on ne peut pas faire ça, quoi. Vous voyez, c'est un truc très normal. Alors, par rapport aux petites anecdotes, ben, si vous prenez, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de Karim Ben Ali chez Arcelor qui vide de l'acide dans un crassier à Florange. Vous avez peut-être vu ça quelque part. C'est une vidéo qui a fait pas mal de trucs et le gars dit, ben voilà, regardez comment on respecte l'environnement. Le mec, il est chauffeur routier hein, et on lui fait vider des tonnes d'acide et de produits nocifs dans la nature, dans un crassier à ciel ouvert. Et ben clairement, la première chose qu'il va faire, c'est de dire au gars de la boîte, lui, il est intérimaire, au Jean de Chercelor, mais vous avez vu ce qu'on fait là, quoi. Enfin, normalement, ça doit aller en déchetterie, enfin, en déchetterie spécialisée. Et on va lui dire, bon, on a toujours fait comme ça, bon, d'accord. Il va voir les pompiers, il se trouve que le pompier qu'il voit, c'est un pompier qui travaille chez Arcelor, donc ça ne passe pas non plus, la direction est parfaitement informée. Et le gars fait une vidéo et la balance sur Internet, mais d'abord, la première chose, il a dit, mais on ne peut pas faire ça, quoi, vous voyez. En plus, c'est illégal. Et donc, ben, voilà, vous vous retrouvez à chaque fois, effectivement, dans cette situation où on vous dit qu'il faut aller voir l'employeur. Finalement, c'est à peu près ce que font tous les lanceurs d'alerte, sauf des cas très particuliers. Antoine Deltour n'est pas allé voir son employeur qui était en train de faire de l'optimisation fiscale et des rescrits fiscaux avec le Luxembourg, pour lui dire, au fait, vous faites des rescrits fiscaux et ça veut dire que les gens, finalement, ne vont pas payer leurs impôts en France. Donc, il l'a fait fuiter comme ça, mais en général, c'est comme ça. Mais de fait, c'est un frein à l'alerte, j'en suis assez d'accord. C'est pour ça que je propose que la personne qui alerte soit automatiquement protégée par un devoir d'alerte, elle peut se prévaloir d'un devoir d'alerte, et auquel cas, ça serait lui ôter une protection automatique par la démonstration qu'il n'y avait pas de gravité et pas d'urgence, mais non pas l'inverse. Alors, je vois qu'il y a une autre question, il y a un problème de médiatisation aussi, une erreur pourrait être non justifiée, une action semblerait illégale, mais n'est pas en réalité, risque d'être médiatisée et de porter un élan pas juridique. Alors, de fait, cette discussion, je l'ai eue avec un journaliste, éminent journaliste pour moi, qui s'appelle Philippe Reltien, que vous entendez peut-être sur France Inter, dans la cellule investigation de France Inter, qui a été correspondant pour France Inter et Radio France pendant 15 ans à Washington. C'est vraiment un journaliste qui a de la bouteille et quelqu'un de très intéressant. Et j'ai eu de longues discussions avec Philippe Reltien, que j'ai côtoyé pendant une quinzaine de jours sur un reportage. Et je lui disais, mais finalement, entre le journaliste et le lanceur d'alerte, il n'y a pas vraiment de différence fondamentale.
puisque tous les deux, finalement, vont transmettre, diffuser une information. Et donc, après quelques temps de discussion, il m'a dit qu'il y a quand même une différence fondamentale entre le journaliste et le lanceur d'alerte, c'est que le journaliste a une obligation déontologique d'interroger la contradiction. Et donc, de fait, il y a là une vraie différence et qui répond un peu à votre question, c'est que le journaliste qui va médiatiser une information, normalement, s'il a fait son travail correctement, il a obligation de vérifier ce qu'on lui dit et non pas de le transmettre n'importe comment. D'ailleurs, si vous regardez, il y a très très peu d'exemples de fausses alertes qui ont été lancées par des journalistes sur la base de déclarations de personnes qui se prétendraient lanceurs d'alerte, etc. Donc, la profession journalistique et sa déontologie doit normalement transmettre ça. Il n'en reste pas moins qu'une personne peut diffuser une fausse information sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur ce qu'on veut. Et donc là, il n'y a pas de filtre, de fait. Alors pour ça, il y a un filtre qui existe, c'est la loi de 1881. Cette loi de 1881 qu'on appelle la loi sur la liberté de la presse, dont il a été beaucoup question avec notamment la loi sur la sécurité globale. En fait, cette loi, elle condamne déjà la diffusion de fausses informations. Elle condamne, c'est-à-dire qu'elle dit, voilà, si vous diffusez une fausse information et que vous la savez fausse, alors eh ben, vous vous exposez à des poursuites pénales, ce qui est finalement assez normal. Ce que va nous dire la déclaration, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'effectivement, la démocratie nécessite qu'on prenne ce risque qui peut avoir des conséquences qui sont dramatiques, hein, on est bien d'accord. Mais si vous voulez, on a une présomption en droit européen de la bonne foi des gens qui diffusent une information. Voilà, on considère que la bonne foi est présumée. Et que si l'information est fausse, mais que la personne avait toute raison de croire qu'elle était fondée et que les éléments dont il disposait l'amenaient à faire une fausse analyse, alors si effectivement on constate qu'il l'a fait finalement de bonne foi, eh bien il ne peut pas être condamné. Mais par contre, la diffusion d'une fausse information peut être réprimée pénalement. Alors, pour moi, il devrait essayer. Oui, ben oui, d'ailleurs, vous avez sur la diffusion d'une fake news, vous avez une pratique au canard enchaîné qui s'appelle pan sur le bec. Je ne sais pas s'il y a des lecteurs du canard enchaîné parmi vous, mais toutes les semaines, on a une petite rubrique quelque part qui dit pan sur la bec, pan sur le bec et qui dit grossièrement, on a dit une bêtise la semaine dernière ou il y a deux semaines et on le reconnaît publiquement. De fait, je pense que l'information nécessite une honnêteté intellectuelle qui est de à la fois pouvoir transmettre les informations, mais à la fois reconnaître lorsque l'on s'est trompé. Très bien, eh ben, merci beaucoup. Il est 14h15, on arrive sur la fin du TAM. Merci pour votre présentation et pour toutes vos réponses et merci aux participants d'avoir été présents. On se retrouve la semaine prochaine pour le TAM de Noël. Donc, on accueillera un intervenant du Secours populaire qui va nous parler donc, de la solidarité pour Noël. Merci à tous. J'espère avoir à peu près répondu à tout le monde et ne pas avoir été trop long. Et n'hésitez pas à aller sur le site. Alors, cette année, notre événement a été annulé, mais je suis déjà en train de préparer celui de novembre 2021. Et donc, on a un site qui s'appelle lanceur au pluriel-alerte au singulier.fr, lanceur-alerte.fr. Et comme ça, bah, vous verrez à peu près les thématiques qui étaient prévues cette année. On devait accueillir Corinne Lepage, Inès Leroux. On a déjà accueilli Christiane Taubira, Marie-Georges Buffet. Donc, vous voyez, que ce soit le sport, que ce soit la politique, etc., on reçoit beaucoup, beaucoup de monde. Ça se passera très probablement, si les petits cochons ne nous mangent pas, les 12, 13 et 14 novembre prochains en région parisienne.
Et j'animerai normalement deux rencontres au Salon Prime Vert qui doit se dérouler 26, 27, 28 février à Lyon, à Eurexpo. Donc on parlera aussi un petit peu d'alerte à ce moment-là.